Salut à tous, c'est Ice Nano. On se retrouve pour une petite vidéo sur le serveur d'Hypixel. Et aujourd'hui, on se retrouve sur les TNT Games, comme vous pouvez le voir. Et on va faire un wizard. J'ai envie de faire un wizard, alors je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo pour une fois. Je suis assez fort au wizard, je me suis entraîné. Il n'y a personne. J'allais sur le lobby 1, peut-être qu'il y aura un peu plus de monde. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment personne. Oh, si, un petit peu. Bon, bah voyons. TNT Wizard, s'il vous plaît. En 20. Là, mais il est vide. Vide, vide, vide. Ok, on va voir les autres. Parce que j'aimerais avoir un wizard qui est déjà un petit peu commencé. Mais j'ai l'impression que personne ne veut faire un wizard. Oh, si. Bon. En 18, tant pis, sur la map A. J'aime pas la map A, mais c'est pas grave. Voilà. On est là. On choisit notre classe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on choisit la classe. On a le droit entre Fire, Kinectic et Ice. Après les deux autres sont VIP. Moi je prends l'Ice Wizard. C'est celui que je maîtrise le mieux. Et donc le truc, bah c'est il y a des points sur la map. Faut réussir à les prendre et à les défendre. Et bah voilà, et tu gagnes 3 points. D'ailleurs, je vais vous montrer 3 points par point pris à chaque seconde, et c'est les premiers qui arrivent à 2000 points qui gagnent, et ça commence dans 8 secondes. C'est parti! Allez, go, 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 go! Je veux que ça commence, je veux que ça commence, je veux que ça commence. 2, 1, top! Allez, c'est parti! Ah, j'aime vraiment pas cette map. Je préfère la map des 20, mais il y en a très peu des gens qui jouent à 20. D'ailleurs, c'est possible que ça soit un peu fort le son, et je vais le rebaisser un peu. C'est un peu beaucoup plein d'explosions. Donc moi j'ai l'Ice Wizard. L'Ice Wizard, quand tu projettes un truc, d'ailleurs j'ai fait un kill, il met slowness il met slowness pendant quelques secondes. Donc t'es entièrement bloqué. Donc tu peux en profiter pour achever l'adversaire que tu viens de toucher. Et sinon, avec mon défense, je peux faire un mur de glace qui vient de foirer. Toi mec, tu touches pas. Voilà. Normalement, il y a deux types de joueurs à ce jeu. Il y a les joueurs qui gardent les points une fois qu'ils sont pris, les défenseurs en quelque sorte. Et puis il y a ceux qui vont rusher sur les autres points. Je suis un petit peu plus rush de points. Mon pote Raph, il est un peu plus défense, je crois. Sauf que normalement, la défense se joue plus avec l'ice, vu qu'il a un mur de glace. Et l'attaque avec le feu, et nous on fait le contraire, mais bon, ça se joue bien quand même. Je suis bien rouge. Ouais, c'est bon. Donc on s'en fout. Ce point-là est déjà pris, c'est le point bêta qui est pris. Point bêta, c'est là-bas. C'est parti. Allez, go. On prend aucun dégât de chute, c'est normal. Ah oui, j'avais oublié qu'on gelait l'eau. Après un petit délai. Là, c'est la merde. On essaie de passer sans se faire toucher. Il est pas tôt, mais c'est le matin. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde. Je referai peut-être une vidéo quand il y aura beaucoup de monde sur la map 20. Sur la map 20, et je viens de passer le 2. C'est toujours le bordel sur le bêta. Ici. Et il s'amuse toujours à faire des parois en glace, c'est pas possible. J'aime pas les parois en glace. Oh yeah. Oh, voilà, ça fait ça quand tu prends un truc de glace. Un méga zoom et un slowness pendant quelques secondes. Mais on peut quand même attaquer, donc ça va. Et je suis mort. Tant pis. Allez, on repart, on repart, on repart. Parce qu'on est comme ça. Ah oui, je sais pourquoi j'aime pas cette map. Parce qu'il y a des mecs qui campent en haut de montagne. Oh. Ça, c'était beau. Oh non, là j'ai pris très cher. On a un petit truc de regen au début. Et puis, quoi dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. Voilà, c'est les principes du TNT Wizard. J'aime bien, ça fait des petites parties sympas quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on n'a pas le temps de faire un blitz, quand on n'a pas envie de faire un quake. Donc on aime bien le quake. Tiens, j'ai réussi à faire un kill, je sais même pas comment. Quand on aime bien le quake, souvent on aime bien ça. J'aime pas énormément le quake. 1 parce que je suis nul, 2 parce que j'aime pas tellement ça, simplement. Allez, toi tu prends très cher. Tu meurs toujours pas. Ah bah non, c'est moi qui suis mort. Bon, tant pis. Et bon, quand on aime bien le quake, on fait ça, c'est un petit changement, on se bat un peu plus, c'est un peu plus technique. Enfin,
C'est pas un peu plus technique que le Quake, parce que le Quake c'est très technique aussi, c'est différent. C'est très différent du Quake, en quelque sorte. C'est un peu le même principe. Et par-dessus tout, il faut pas camper dans ce jeu, sauf quand on est défenseur. Mais quand on n'est pas défenseur, on campe pas. On campe que quand on défend un point. Le point bêta, je l'ai repris. Toi, tu vas mourir, mec. Ah bah non, c'est moi. Purée. Ils sont... Comme je disais que je suis doué. Ouais, ça va. Mais voilà. C'est pas l'extase. Je suis meilleur qu'au Quake. C'est déjà ça. Oh, yolo. Il y en a un qui balance des potions. Je sais pas lequel c'est. Oui, double kill. Ils avaient presque plus de vie. Sûrement. Tiens, encore un là. Fail. Yolo. Oh, ça vole assez haut souvent. Encore un kill. Ah, tiens, toi tu m'avais tué d'ailleurs. Voilà. Allez, go. On continue, on continue, on continue. On les attaque, on les attaque. Et je viens de me prendre. Oh non, et j'ai quitté le spawn alors que j'étais enflammé. Non, c'est bon. Ah oui, et puis quand on est VIP, ce que je ne suis pas, parce que j'ai pas les moyens d'être VIP. Enfin si, j'ai moyen en quelque sorte, mais je perds pas mon argent à être VIP. Et deux, parce que c'est pas, il y a des intérêts, mais pas énormes. Quand on joue beaucoup, ça va. Et moi, je joue pas mal du jeu, pas mal. Et quand on est VIP, donc je disais, on peut changer de classe en cours de jeu. C'est une technique aussi, on peut tester un peu toutes les classes comme ça. Oups, désolé. J'ai oublié de me mettre en occupé. Je fais ça tout de suite. Ok, c'est bon, désolé. Bah, j'arrive pas à sauter ou quoi? Ah si, c'est bon. Y a rien ici. On joue beaucoup en défense sur cette map. On rush pas trop. Sur l'autre, on rush plus. Sur la 20. Franchement, la 20, si j'arrive à vous la faire, je vous la montrerai parce qu'elle est assez géante. J'aime vraiment beaucoup. Oui, je l'ai eu. Oui. YOLO. Team Blue is close to victory. Ah ouais, on est en train de perdre en fait. Parce qu'ils ont tous les points. Enfin, presque des points. J'ai fait que défendre depuis tout à l'heure, mais il aurait mieux fallu attaquer en fait. Allez, c'est parti. Faites-moi un petit passage, merci. Wow. Te calme, wesh. J'ai été. Putain, mais c'est pas vrai, il y a tout qui sonne aujourd'hui, décidément. C'est vraiment n'importe quoi. C'est la faute à Raph, Raph 550. Allez le spammer, dites-lui, ouais, arrête de déranger Ice pendant qu'il fait ses vidéos. Non, c'est pas vrai. Il est gentil. Hein. Go! C'est. Oui, je l'ai eu. Merde, il m'avait eu avant. Bon, on va faire un peu de place ici. J'aime pas ça du tout, hein. Je vais encombrer. Un peu de place. Oh non, il est encore là. Je l'ai eu? Non, je l'ai pas eu. Relève-toi, gros. Allez, gros. Oh, t'es encore plus cher. Oui, je l'ai encore kill. C'est pas hyper rentable de kill les joueurs, en fait. Bon, finalement, j'ai peut-être mettre un petit mur de glace, quand même. Le plus rentable, c'est tout de même encore toi. Merde, il m'a eu. Le plus rentable, c'est quand même de gagner la partie, évidemment. Mais d'arriver à 1000 points aussi, les premiers. Parce que ceux qui a... Il y a trois façons de gagner des points. Il y a de faire des kills, évidemment. Toi, tu vas pas me faire chier. Donc, il y a faire des kills. Il y a être le premier à arriver aux 1000 points. GG à vous. Bon, on s'est fait mettre de 200 points. C'est pas énorme. J'ai pris beaucoup plus et j'ai mis beaucoup plus aussi, des fois. Et donc, j'aime bien cet effet quand on perd. Même quand on gagne avec les diamants, c'est plus beau. Mais donc le premier qui arrive à 1000 points, et puis la partie qui gagne. Bah, je pense qu'on va en refaire une, et si Raph est libre, on va en faire une avec Raph cette fois-ci. Allez. On fait une petite ellipse. A tout à l'heure.
Re tout le monde, ça y est, on va pouvoir commencer la partie. Cette fois-ci, c'est une partie à 20, donc c'est une autre map, c'est génial. Et mince, j'ai la team rouge, j'aime pas la team rouge. Mais bon, on va pas tout demander non plus. Et c'est parti, on rush. Cette fois-ci, je vais complète rusher. Je vais absolument pas me faire chier à défendre. Cette map, il y en a qui défendent. Moi, je préfère bien rusher sur cette map. Allez, le point gamma. Je vais le rechoper. Wow, je suis en train de me faire tirer dessus. C'est parti. Et on chope le point gamma. Merde, y'a un mec. Fuh. Oh, j'ai failli tomber. Non, je suis en train de me faire cramer. Il y en a un qui a un truc de Wither. Ok, ça commence mal. Eh, ils sont chauds aujourd'hui. D'habitude, quand ils sont là, le soir, quand il y a un peu plus de monde, parce que là, je tourne cette vidéo à 9h15 du mat. Oui, c'est ça, du mat. 9h15. Il y a pas beaucoup de monde, mais ils sont forts. Hein. D'habitude, ils sont pas aussi forts. Et il y a plus de monde. C'est un peu mieux quand il y a plus de monde. Je peux même pas enlever le feu quand ils me foutent en feu. Vu que je gèle la glace presque instant, j'ai absolument pas le temps. On passe par-dessus les barrières et on va toujours rusher au point gamma. Ils sont encore en train de nous rush. Mais c'est pas vrai. Ah d'accord, ils campent. C'est dégueulasse de camper. C'est vraiment dégueulasse. Ok, ils ont les 3 points, on est dans la merde. Ok, on est bien dans la merde, on est bien dans la merde. On est mal barré. Ils nous mettent déjà plus de 300 points dans la gueule. Et ils sont vraiment chauds. Putain, oh mais stop quoi. Pourquoi est-ce qu'on prend autant? Il y a qu'il n'y a pas de rouge en plus. Ici, il y en a. Non, c'est comme s'il n'y en avait pas. On est complètement en train de se faire des poussées. Sinon, j'aime bien le système des améliorations sur sur ces jeux, c'est assez sympa. Bon, après, faut vraiment y jouer beaucoup pour... Tiens, celui-là, t'es mort. Oh. Oh, qu'est-ce que t'as pris? Attention, tac. Merde. Oh putain, je suis en train de prendre cher. Faut toujours rester en mouvement. Faut toujours rester en mouvement, j'allais dire. Comme vous le voyez, il y a le spawn des bleus là-haut. Certains s'amusent à aller camper au spawn. Moi, je fais pas parce que je trouve ça vraiment dégueulasse. Mais il y en a qui le font. Putain, mais hey, meurs! Voilà. Meurs, bitch. Bia. Allez, voilà. Par contre, un truc est, jouez jamais à un TNT Run ou un truc du genre une fois que vous avez fait un Wizard. Vous aurez l'impression d'être tellement lent. Oh yeah. Oui! Team Red has taken point beta. Bon, il est en train de se refaire prendre, mais c'est comme ça qu'on passe. Et on est en train de se prendre une misère. Je pense que je vais vous refaire une partie ensuite parce qu'on prend tellement cher. J'aimerais bien avoir une partie où on meurt pas pour une fois. On perd pas. Parce que là, tout en loose, ça me ferait un peu chier. Camper, c'est mal. Nope. Merde. Bon, là, c'est un peu de la défense, mais on n'a pas. J'ai pas franchement le choix. Merde, j'ai plus de mana. J'ai pas franchement le choix. Bon, je vois que c'est mort. C'est bon. Je vais ailleurs, au point gamma, tiens. Oh, voilà. What? J'ai pris des dégâts. Ça, par exemple, l'empoisonnement, c'est pas normal. On n'est pas censé se faire empoisonner dès le départ. Mais bon, c'est peut-être le fait qu'il y ait eu quelques bugs. Et que ça s'arrête directement. Oh putain, ça prend trop cher. On prend trop cher là, les deux dernières parties. On est en train de prendre vraiment cher. J'ai fait 2 kills. C'est vraiment rien. J'ai l'augmentation de mon manax, mais plus rapidement comme amélioration, mais il faut que je l'augmente encore parce que c'est absolument pas assez. Il faudrait beaucoup plus. Le genre de truc qui te régène. Normalement, ça te régène un demi par un demi en bouffe, comme mana.
Et là, ça me régène un par un. Je sais pas d'où on m'a tiré, mais on tire. Là, de là-haut. C'est dégueulasse de camper. C'est pas bien. Camper, c'est mal. Et ben. Bref. On va refaire une ellipse et en refaire une parce que là, j'ai vraiment pas aimé cette partie. Comme vous voyez, j'ai 245 pièces et quand on va dans le shop, la régène, j'ai déjà la première, mais j'ai pas encore l'explosion. Mais ça m'intéresse pas tant que ça, l'explosion. Je vais surtout m'intéresser à la régène. Allez, ellipse et on se retrouve pour une partie encore. Re tout le monde, désolé, j'ai pas trouvé de partie avant un bon bout de temps vu que la dernière partie était occupée. Et que le reste c'est à zéro. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. Déjà parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et on en refera une bientôt. Bah, si vous avez aimé, pouce vert, commentaire évidemment, abonnez-vous et puis partagez où vous voulez. Sauf sur YouPorn de préférence, s'il vous plaît. Non, sérieusement, bye. Au revoir. On se retrouvera pour une prochaine vidéo.